Ça, c'est l'hymne national. Aéroport Jan Smuts, Johannesburg. Depuis que je viens en Afrique du Sud à intervalles plus ou moins longs au cours des années, seul ou avec Yolande, légalement ou clandestinement, sous mon vrai nom ou sous un nom volé, le visage à découvert ou masqué, je remarque les flics, postés stratégiquement, qui m'ont déjà retourné comme une chaussette, avec leurs yeux de caillou. Dans cet aéroport, ils m'attendent toujours, les chiens de la sécurité, pour prendre la piste ou pour m'arrêter au moment du départ. Cette fois, ils veulent savoir si c'est un long séjour et mes impressions sur cette nouvelle Afrique du Sud. Pourquoi suis-je revenu? Mal du pays, affaires à régler. Pourquoi je ne resterai pas ici pour toujours? Trop tard maintenant, devenu étranger, des rêves amers, plus de racines. Stella, notre amie fidèle depuis tant d'années, est venue nous chercher. Elle a si peu changé. La dernière fois que nous sommes venus au Cap, Yolande et moi, nous habitions derrière cette montagne. Nous déjeunons au café du port. Stella et Yolande ont beaucoup de choses à se dire. Au cours des années, elles sont devenues de plus en plus proches. Comme c'est étrange de pouvoir se mettre à table en toute liberté, avec la femme à qui je n'arrête pas de dévoiler ce pays au fond de moi. Et si c'était elle qui me fait découvrir le monde? Et moi, à plus de 50 ans, qui n'ai passé ici que la moitié de toutes ces années. Pourquoi suis-je revenu? J'étais l'exilé qui n'a jamais accepté le caractère définitif de son exil. Yolande est vietnamienne. Ici, en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, elle était considérée comme inférieure sur le plan racial. Après notre mariage, je n'avais pas le droit de l'emmener chez moi pour la présenter à mes parents. C'est seulement des années plus tard que nous avons eu une permission spéciale de 3 mois. Nous avons alors fait un voyage sous l'œil des flics de la sécurité. Je lui ai montré pour la première fois ce pays de mon cœur. Et elle a pu rencontrer ma famille, mes parents,
et ma sœur, Rachel. C'était en 1973. Malgré les contraintes et la surveillance, ce séjour était bien cela. Une saison au paradis. 3 mois parmi les êtres qui me sont chers. Après ce voyage, je ne pouvais plus revenir légalement. L'Afrique du Sud, mon passé même, était devenu un no man's land pour moi. J'appartiens à un peuple qui est la mortification de l'Afrique. Un peuple de colons sans métropole dont personne ne veut partager l'histoire. Nous sommes en Afrique. Et nous ne sommes pas africains. Nous sommes en Europe et nous ne sommes pas européens. Au large de la baie, il y a l'île des lépreux politiques. La marque de notre honte. J'en rêve parfois. L'île où étaient enfermés Nelson Mandela, Walter Sisulu et les autres prisonniers politiques noirs. Il y a tout d'abord un souffle de vent et ensuite la voix calme d'un homme sage qui traverse les eaux. Et il parle plus ou moins comme ceci. Pour renverser l'oppression, ce à quoi l'humanité donne son approbation, et qui est la chose la plus élevée que recherche chaque homme libre, tu vois qu'il n'existe nulle part un chemin facile vers la liberté, et plus d'un d'entre nous devra marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, encore et encore, avant d'atteindre les montagnes de nos désirs. À vos côtés, je lutterai contre ce régime pouce après pouce, mille après mille, jusqu'à la victoire. La victoire, enfin. Par une belle journée d'été au Cap, c'était en février 1990, Nelson Mandela retrouve le soleil, après 27 ans de prison. Il avait passé tellement d'années à l'ombre, et il n'est pas vieux. Il avait tant lutté, et il n'est pas fatigué. La voix calme de l'homme sage à travers les eaux. Et du coup, l'histoire de notre chemin vers la liberté prend un sens. Au Cap, il y a un petit débit de tabac tout près de Green Market Square, où des années plus tôt, bien des années plus tôt, quand je vivais et rêvais dans le coin, j'avais l'habitude d'acheter mon tabac. 15 ans plus tard, j'étais en fuite dans le pays. Les rues étaient humides, et je cherchais désespérément quelque chose pour me calmer les nerfs. Je manquais d'oxygène. Je me suis glissé jusqu'ici pour m'acheter une pipe. En 1972, avec quelques amis,
des Sud-Africains blancs en exil à Paris, j'avais créé le noyau d'une organisation politique que nous avions appelée Okela. Très vite, nous avons mis sur pied des voyages clandestins en Afrique du Sud. Ainsi, le but de mon voyage en Afrique du Sud en 1975 était avant tout de recruter des gens qui contribueraient à la formation de syndicats noirs et de parler avec nos clandestins, de leur soumettre la plateforme proposée et de débattre avec eux des problèmes de base. Le côté sombre, c'est que j'ai été trahi avant même mon arrivée. Je ne suis pas capable de dire qui m'a trahi. Puis il y a ceux qui sont restés fidèles, qui n'ont pas eu peur de soutenir Yolande tout au long de ces années sombres. Ainsi, Ampi Kouzé, ami de cœur, blanchi à présent comme moi. Enfin, je vais pouvoir le faire entrer de plein pied dans mon histoire, montrer à lui et à Yolande les trajets de la fuite d'alors. À l'époque, j'avais rendez-vous là, à cet endroit précis, avec deux camarades militants qui sont venus me chercher, et je suis monté dans leur voiture. Nous devions parler tout en roulant, et dès que nous avons quitté Sea Point, nous avons compris qu'ils étaient là. Paul les a vus le premier dans le rétroviseur et nous a prévenus calmement. Il y avait cette Ford blanche sur nos talons. Nous avons essayé de les semer en remontant une rue et en redescendant une autre. Nous étions complètement paniqués. En arrivant au Cap, j'ai profité d'un feu rouge pour sauter de la voiture et me précipiter dans un de ces grands magasins qu'on trouve en centre-ville. Je m'étais fait faire des photos dans un photomaton. Je voulais peut-être garder le souvenir de cette personne fugitive, avec une moustache comme un sourire noir, qui me regardait d'un œil interrogateur dans le miroir. De retour à l'hôtel, j'ai arpenté ma chambre en regardant nerveusement la mer, grise et agitée. Il faisait sombre et par chance, avant que je pense à allumer, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai remarqué une voiture garé devant l'hôtel. La Ford blanche était revenue. Cela signifiait que les choses allaient beaucoup plus mal que je ne l'imaginais. Voilà. C'était une chambre comme ça, donnant sur la mer dehors. Je savais qu'ils étaient là, en bas. Je vais aller passer la nuit à me raser la barbe, ou plutôt à me raser le moustache, parce que je n'avais qu'une moustache. Et de temps en temps, je vais aller vers la fenêtre, et je vais regarder en bas. Je pouvais voir qu'il y avait quelqu'un dans la voiture, parce que régulièrement, je voyais qu'il sortait une cigarette. Et qu'il allumait dans le noir, dans la nuit. Et j'attendais. J'attendais pouvoir partir, le jour, pouvoir partir. Donc, j'ai passé la nuit à détruire toutes les notes que j'avais. Avant tout, il fallait que je parte. Mais j'étais étrangement apathique. Mon esprit flottait dans la tempête. La destruction exerce-t-elle un attrait fatal? La pluie battait les vitres, le vent soufflait violemment, et la mer se gonflait derrière le mur noir de la nuit. Je n'osais pas quitter l'hôtel en pleine nuit de crainte d'attirer inutilement l'attention du veilleur. Mais dès l'aube, je suis descendu avec mes bagages. C'était un dimanche matin.
J'ai vite réglé ma note et je suis sorti par derrière, sans être vu. La matinée était grise, lugubre et vide. La pluie tombait toujours comme quelque chose de démodé. Je n'avais pas dormi, mais ça n'était pas seulement le froid qui me faisait trembler. Ils ont dû se rendre compte très vite que l'oiseau n'était plus dans le nid, parce que soudain, dans les rues désertes, des premières heures de ce dimanche, j'ai entendu leur voiture. Je me suis précipité vers le premier arrêt de bus. J'essayais de me faire tout petit derrière la station, la tête dans les épaules. J'ai pu semer les chiens qui me suivaient. Et ici, dans cette rue, ce fut la maison de mon vieux complice, le Swami, où j'espérais trouver refuge. En rasant les murs, en sautant d'une porte à une autre, j'ai grimpé sur la colline au-delà de la dernière mosquée. Il faut que je montre à Yolande où ça s'est passé. Rien n'est changé, peut-être juste la couleur de la porte. J'ai sonné une fois. Deux fois. Rien. J'ai insisté, mais finalement, il a ouvert et je suis entré. À son honneur, je dois dire qu'il a tout de suite compris ce qui se passait. Et il n'a pas hésité un seul instant dans la chaleur de son accueil et dans sa volonté de m'aider. On m'a donné un lit, un verre de cognac et une tasse de café. Mais bien sûr, je n'ai pas pu dormir. La question était la suivante. Où aller maintenant et comment? Peu de temps après mon arrivée, le téléphone a sonné, mais quand il a décroché, il n'y avait personne à l'autre bout. Il était donc évident que lui aussi était surveillé. Le Swami est parti et est revenu avec de bonnes nouvelles. Il était allé à la gare et m'avait loué une place. Son astuce était que je ne prendrais pas le train au Cap, mais au premier arrêt, au nord, à Wellington, la ville où j'avais passé mon enfance. Nous avons attendu jusqu'à la fin de l'après-midi. Et finalement, nous sommes partis. Je me suis caché entre le dossier des sièges avant et la banquette arrière. Nous sommes sortis de la ville et nous avons continué vers Wellington. Le Swami a même pris la peine de passer devant la maison de mes parents. Ils ne vivaient plus là, mais la vieille pension de famille était intacte. Et la fenêtre de mon ancienne chambre était éclairée. Nous sommes passés très lentement. Je regardais, envahi par les souvenirs, et sans savoir si je reverrais jamais cette maison. À la gare, nous avons dû encore attendre. Le train allait arriver. J'ai pris congé du Swami qui m'avait si courageusement accompagné, sans se soucier du danger. Je suis monté dans le train et il y a eu un coup de sifflet comme ceux que j'avais si souvent entendus quand j'étais petit, que je dormais sur la véranda dans la chaleur des mois d'été. Le contrôleur est venu, a regardé mon ticket, l'a poinçonné. Et je me suis installé dans un coin pour dormir. À partir de ce moment a commencé pour moi un temps du rêve, qui correspondait à ce que les aborigènes d'Australie appellent l'errance. Alors, t'as attendu longtemps ? Non, une demi-heure peut-être. On est resté dans la voiture noire. Ah ben une demi-heure, c'est beaucoup, non ? On était dans, on était en avance, bien sûr. Alors, ce qui est très, très drôle, c'est qu'à deux pas d'ici, il y a un tout petit bâtiment. Quand j'étais petit, avec mon frère, on allait à l'école. Et en fait, mes parents habitaient pas très loin de la gare, il y a longtemps, longtemps. Donc c'était un lieu assez familier pour moi, la gare et les environs.
Le lendemain, je suis arrivé à Johannesburg. J'ai loué une chambre dans un hôtel pas cher, Heilbronn. Je ne pouvais même pas commencer à évaluer l'étendue du désastre qui s'était abattu sur moi. J'étais entré dans la spirale du temps qui m'emporterait et qui me déposerait aux pieds des enquêteurs. C'était en août 1975. J'étais arrivé à l'aéroport Jan Smuts ce soir-là pour rentrer en France. Tout de suite, j'ai compris que j'étais brûlé. J'avais espéré contre tout espoir que je serais capable de me glisser entre les mailles du filet qui se refermait autour de moi depuis quelque temps. Tandis que je me faisais enregistrer au comptoir de départ, j'ai remarqué un homme qui me regardait. Et puis il s'est détourné, est allé vers un téléphone, a décroché l'appareil et a parlé à quelqu'un. Dans la salle d'embarquement, j'ai eu soudain une conscience suraiguë de plusieurs hommes qui étaient assis, là, ou qui marchaient, et qui m'observaient. Je suis descendu aux toilettes pour hommes avec l'un d'eux sur mes talons, et là, tout en ouvrant ma braillette et en courbant les épaules, j'ai réussi à avaler un petit morceau de papier sur lequel il y avait des noms. Puis je suis remonté dans la salle d'embarquement et soudain, une voix dans le haut-parleur a demandé que M. Galaska se présente à tel comptoir. Je n'ai pas bougé. La voix douce a appelé à nouveau. Je suis allé vers le comptoir où une jeune fille parlait aux différents passagers. Et avant même que je puisse lui adresser la parole, un homme qui était à côté de moi m'a posé la main sur l'épaule et m'a dit « Vous êtes Monsieur Galaska ?» J'ai répondu « Oui ». Il a ajouté « Voulez-vous me suivre, s'il vous plaît ?» Et il m'a conduit dans un petit bureau qui donnait dans la salle d'embarquement. Puis il m'a demandé mon passeport, mon billet, et il s'en est allé en me laissant avec un jeune homme, inoccupé, derrière une table. J'ai sorti un paquet de gauloises de ma poche. J'avais le corps glacé. Puis la porte s'est ouverte. L'homme qui m'avait demandé de le suivre est rentré, suivi de deux autres hommes, dont l'un m'était bien connu. Le colonel Jan Rigolo. Ils ont commencé à me poser des questions d'une façon très amicale, même très courtoise. Ils ont fouillé méticuleusement mon bagage à main. Ils m'ont demandé alors de me déshabiller et ils ont fouillé tous mes vêtements, ou parmi d'autres choses. Ils ont découvert un morceau de papier que malheureusement je n'avais pas détruit, sur lequel était écrit « La révolution est un art d'exécution ». Comme dans une hallucination, j'ai vu sur la table mes quelques objets personnels, sans importance. Soudain, Rigolo a dit d'un air hargneux « Vous êtes un agent soviétique ». Il devenait évident qu'il ne me laisserait pas partir. Plus tard, Rigolo m'a regardé très attentivement plusieurs fois. Puis il a indiqué la petite verrue que j'ai entre les deux yeux et il m'a dit en afrikaans « Allez, Breton, c'est fini. Nous savons qui tu es. » Puis ils m'ont conduit en voiture de Johannesburg à Pretoria. On est arrivé au Compol Building, qui servait de quartier général à la police politique. Ce jour-là, tout était calme, d'après ce que je pouvais voir et entendre. Nous étions les seuls dans les cavernes de la nuit. M.
Mes deux accompagnateurs m'ont remis à la garde deux hommes de la police de sécurité qui m'ont conduit dans un bureau glacé. Tout ce que je possédais a été trié, noté à l'encre rouge sur une grande feuille de papier. La nuit tournait lentement, comme une bête insatiable. Mes hôtes n'étaient absolument pas violents. Pourquoi l'auraient-ils été ? J'étais mort. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'apprêter le cadavre, de bien nettoyer les os. Ce qu'ils voulaient connaître, c'était les complots, les histoires et les rêves que je transportais avec moi. Vous voyez, j'étais représentant en rêve et en illusion. Dans la salle d'interrogatoire, il y avait une fenêtre qui donnait juste au niveau de la chaussée. On voyait les gens qui passaient. Si proches, mon Dieu, si proches. Et ils ignoraient totalement ce qui se passait derrière cette mince cloison qui nous séparait. Des gens qui allaient à leur travail ou à un rendez-vous. Avec un ami ou un amant. L'interrogatoire continue. Ils fouillent dans mon passé. Ils connaissent mon moi mieux que moi. Ils connaissent toutes mes habitudes, mes préférences, mes concrétions, mes petits secrets, mes jardins, qu'ils soient politiques ou sexuels. Et ça les fascine. Ils vous laissent vous asseoir, ils ne vous posent aucune question, ils disent simplement « Écrivez ». Et j'en ai écrit des volumes, des volumes. Ma vie est dévorée par les mots. Les mots ont remplacé ma vie. Et cela continue sans interruption pendant 48 heures, un jour et une nuit, un autre jour. Quand il fait sombre à nouveau, ils te mettent dans une voiture et ils t'emmènent par les rues désertes jusque devant l'entrée d'un immeuble. Tu devrais être à Rome à l'heure qu'il est. Ta femme a dû attendre au lieu du rendez-vous. Août. Les nuits embaumées sur les piazzas. Les lauriers roses sont en fleurs. Ils peuvent te garder pour toujours. Ils peuvent poser leurs grosses pattes sur toi. Ils peuvent te briser. Ils peuvent se fâcher tout rouge et laisser libre cours à leur colère. Alors pourquoi ne pas écrire? Et tu écris. 4 pages cette fois. Et ils viennent, et ils les prennent, ils les lisent, et ils les déchirent. Et tu recommences. Parce que le temps qui pour toi est devenu complètement obscur n'a pas de sens pour eux. Cette première nuit, j'étais trop fatigué pour compter le nombre de portes par lesquelles on m'a conduit avant d'arriver enfin dans la cellule où je devais passer les 2 prochains mois. Ils ont verrouillé la porte. J'ai rampé jusqu'à la couchette. J'ai tiré la couverture sur moi et alors, je n'ai pas pu dormir. Absolument pas. Tout est revenu. Je ne pouvais pas contrôler mon corps. Je tremblais, mes jambes s'entrechoquaient, je ne pouvais même pas tenir mes lèvres au repos. Au cours de cette première nuit, j'ai senti, et cela s'est confirmé plus tard, que cet endroit était celui de la mort. C'est le lieu honteux où l'on conduit des gens pour que les représentants de l'État les tuent, légalement et de sang-froid.
faut pas aller trop loin dans le passé non plus. Là où je chante maintenant, c'est qu'il y a beaucoup plus de policiers noirs, pour une fois. Une fois, au lieu de me faire passer par les portes blindées et les grilles, ils m'ont conduite à gauche, dans l'aile où étaient les bureaux. Et sans dire un seul mot, ils m'ont fait entrer dans une pièce où était Yolande. Quel choc! La manœuvre tout à fait cynique. L'intention était de créer pour ma famille, pour ma femme, l'illusion que j'étais traité humainement. Pour voir sans y être préparé la personne qui m'est la plus chère au monde. Et ne pas craquer. Ne pas lui rendre les choses plus difficiles. Essayer de la réconforter, la rassurer, faire semblant que tout cela est moins sérieux qu'il n'y paraît. Qu'il y a toujours de l'espoir quand il n'y en a pas. Et lui prendre la main. Tu te rappelles ton temps, Mince ? Oui, oui. Oui, parce que je me rappelle très bien d'avoir été très très gêné. Parce que quand on t'a amené aux toilettes, le type restait avec toi. Ça, c'était pendant les deux ou trois premiers jours et nuits d'interrogation ininterrompue. Sur le trottoir devant le Compol Building, un noir m'a reconnu et m'aborde. Il me raconte que sa femme travaillait là autrefois pour faire le ménage. On la soupçonnait de passer des documents secrets à son mari. Alors il fut arrêté et longuement torturé. Nous sommes des survivants, me dit-il. Les rues des métropoles sud-africaines regorgent de gens qui sont passés, à un moment ou à un autre, entre les mains de la police de sécurité ou de contre-espionnage. Beaucoup ont laissé leur peau. Nous retraçons nos pas et nous retrouvons des cadavres. Près de Bonneval, la route suit un large canal d'irrigation qui conduit l'eau de l'Abri-Rivière dans la vallée jusque dans des coins presque inaccessibles. Quand je suis né, mon père travaillait à la construction de ce canal. Ma mère le suivait. Nous vivions sous une tente. Voici mon monde, mon univers. Ma voix parle la langue de cette contrée. Mes yeux voient les mêmes couleurs que voyaient mes ancêtres. Est-ce que j'ai les mêmes pensées ? Bonneval. C'est là que tout a commencé. Là, c'est la maison de tes parents. Oui. Je suis né. Et j'ai été accueilli sous le toit de chaume d'un métayer. Et j'ai été destiné à de grandes choses dès le premier vagissement. La maison. Vous s'arrêtez là, il n'y avait pas de dépendance. Ça fait combien de temps maintenant que je traîne ma maison avec moi? Il y avait beaucoup de pièces. J'ai l'impression de revenir chercher quelque chose que j'avais oublié. Ou jeté. Ah,
Je recherche dans ma poitrine l'émotion du souvenir, mais le cœur est aveugle. La maison dans laquelle je me suis éveillé à la raison est toujours aussi pimpante, avec ses piliers, son petit portail et les fleurs. À l'époque, il y avait une véranda rouge sur la façade et une blanche sur l'arrière, ainsi qu'une cuisine, un vestibule, une chambre pour nos parents et une tanière pour les garçons, avec des lits qui nous fournissaient un abri quand maman voulait nous chatouiller, avec une canne ou un manche à balai. Devant la maison, il y avait un jardin. C'est là que maman enterrait les bouteilles d'alcool de papa. L'église était en face. Maintenant, il n'y en a plus. Et je me rappelle très bien, mon père nous a raconté quand nous étions tout petits que lui-même, étant jeune, était un grand athlète, il pouvait sauter par le toit de l'église. Et on était convaincus de ça, bien sûr. D'ailleurs, qui sait, peut-être que c'était vrai. Enfin, ton père il était plus grand que toi, bah, de taille. Il sera toujours plus grand que moi. Non, mais de taille. Derrière notre maison, il y avait une balançoire. Quelques briques qui servaient le barbecue, un patio en ciment et un poirier. Et c'est sous le poirier que j'ai découvert l'amour pour la première fois. Elle avait 17 ans, elle était standardiste à la centrale téléphonique locale. Le soir au crépuscule, elle m'asseyait sur ses genoux et me serrait dans ses bras. Et je sentais le parfum du poirier. Sur une photo, on me voit avec mon grand-père. On l'appelait Yann, l'Afrikaner. La poignée du grand-père était solide et faisait peur dans la contrée. Le cimetière se trouve à portée de Chant du Coq. Tout est paisible ici. Toute la vie est une conspiration contre la mort. Et la mort, un résumé de la vie. Je suis français et je suis en route pour l'Afrique. Ma mère cruelle. Je suis un réfugié, je suis à la recherche de cette sécurité qui a été la mienne autrefois. L'Afrique. Mon rêve est un arbre en feu. Mon procès eut lieu pendant l'invasion secrète de l'Angola par l'armée sud-africaine. Mon arrestation avait été un cadeau du ciel, en tout cas une merveilleuse occasion de propagande pour les autorités. Pas étonnant que les journaux aient fait autant de bruit autour. Mon père était là, venu de son village, accompagné par ma sœur Rachel. Il avait mis son meilleur costume pour être à mes côtés. Comme il était digne. Le procès eut lieu dans l'une des salles de la Cour suprême de Pretoria. Je crois qu'autrefois l'immeuble a servi de synagogue. La police politique venait me chercher chaque jour à la prison. J'avais réussi à récupérer deux de mes costumes et j'ai emprunté quelques cravates à l'un de mes frères. Pendant les séances, quand je n'étais pas dans le box des accusés, on me mettait dans une cellule au rez-de-chaussée.
Je n'ai jamais été seul dans ces cellules. Il y avait toujours deux ou trois flics avec moi. Le banc des accusés. Les accusés? Oui. Tu m'étais là-dedans. Ah, t'étais assis où? Bah, ici. Là. 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 Là, il y avait les avocats. En principe, là, il y a la presse et le juge qui entre par derrière. Mon père est assis sur ce banc-là. Il y avait beaucoup de monde, il y avait aussi des gens où, sur le balcon. Mon père venait chaque jour au procès. Il s'asseyait vers le fond, très raide, le visage entièrement fermé. Comme il a dû souffrir. Ma mère ne vint pas. Cela aurait été trop dur pour elle. Et nous nous étions mis d'accord pour que Yolande ne soit pas là non plus. Pourquoi augmenter la douleur? L'acte d'accusation était très solide. On m'accusait, parmi d'autres crimes odieux, d'avoir fait passer des armes en fraude, d'avoir organisé des actes de sabotage et d'être impliqué dans des activités d'espionnage dans les ports. Si nous ne remettions pas en cause les charges qui pesaient sur moi, il y avait de grandes chances pour que l'accusation demandât la peine maximale, c'est-à-dire la peine de mort. En échange de mon engagement de plaider coupable et à ne pas faire de déclaration politique, le procureur demanderait la peine minimale, c'est-à-dire 5 ans d'emprisonnement. La seule chose qui était bien ici, c'est qu'on pouvait voir la lumière changer à travers les vitres. On pouvait donc voir la journée avancer et les couleurs des vitraux qui entraient dans la cour. Tu veux t'asseoir là derrière? Tu veux t'asseoir là? Sinon, c'est... Ça sent mauvais. Hein? Là, c'est un lieu, c'est à la fois un lieu de mort et un lieu de soulagement. Parce que c'est le jour de gloire quand finalement on t'amène devant le juge. Enfin, au moins, c'est un jour de sortie. C'est un jour de sortie. Et c'est une des rares occasions que tu auras jamais de revoir tes amis, parce qu'ils sont venus pour assister au tribunal. Non, c'est curieux comment tous ceux qui sont passés par ici ont ressenti le besoin de marquer au moins leur nom, petits messages, partout. Le ministère public réclama la peine minimale de 5 ans.
La défense plaida et le même jour, après une petite pause, le juge qui était resté là à somnoler en branlant du chef me déclara coupable et prononça la sentence. Dit-il, vous êtes un homme très dangereux. Si on vous laisse continuer, les résultats seront imprévisibles. Le sang et la mort. Et puis, neuf ans. Quand quelqu'un vous dit 9 ans, du ton le plus naturel, comme s'il disait « il fait beau », c'est comme si un manteau d'acier vous tombait sur la poitrine. Et pourtant, en même temps, la signification vous en échappe. Vous ne pouvez l'appréhender. On m'a autorisé à dire au revoir à mon père. J'ai éprouvé le besoin de le consoler. Je ne voulais pas que la bande de vautours qui se pressait autour des malades venus se repaître de la misère des autres. Je ne voulais pas qu'il voie mon père pleurer. Puis on m'a fait descendre les escaliers et on m'a escorté de la cellule du tribunal jusqu'au Compol Building. Et de là, on m'a ramené à sécurité maximum. Quand j'étais dans ma cellule, j'ai eu ce qu'il faut bien appeler une dépression nerveuse. Nous avons dit au revoir au joli Bonneval pour la dernière fois. Et nous sommes allés à Riversdale. De loin, on pouvait déjà voir la montagne, bleue et voluptueuse. Elle est toujours restée au fond de moi. Elle s'appelle Sleeping Beauty, la belle endormie, car ses formes ressemblent à celles d'une jeune femme couchée sur des rêves bleutés. Riversdale. Trouver le chemin de la ferme tellement plus court que dans la mémoire. Traverser Caffer Quills River. Atteindre la ferme. J'ai grandi dans les cieux environnés d'anges, dans des vêtements de travail poussiéreux ou des tabliers à fleurs. C'était près de Riversdale. Dans une ferme à 6 km du village Caffer Quills River. Et le figuier ? Le figuier était là ? Le figuier était ici au coin. Non, ce figuier-là. Ce figuier-là était là aussi. Oui. Et là, il y avait un mur tout autour. Il y avait un grand jardin avec des arbres, tout ça à l'intérieur. Tout ça, les fenêtres étaient différentes. C'était des toutes petites fenêtres. Ça, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas cette petite, il y avait pas cette terrasse devant. Il y avait un petit mur autour. Là, c'était comme ça. Il y avait des maisons. Et qu'est-ce que c'est la maison qui est là-bas? Sous les eucalyptus. Ce sont des maisons d'ouvriers. Hein? Des maisons des ouvriers. Oui. Des gens qui travaillent sur la ferme. La maison qui est sous les, oui. Sous les eucalyptus. Oui. C'est la même? Oui. Nous étions 7 dans la famille. Papa, que nous appelions Oubas. Maman, qui est devenue Ounoï, Yann, Clout, Bastian, et Rachel, la plus jeune, et moi. J'étais alors un énorme garçon de 7 ans et 8 mois, et mes années d'enfance pouvaient seulement maintenant commencer pour de bon. J'entends des voix, un mélange de cris, de plaintes et de rires.
Je vois de magnifiques chevaux qui broutent dans les champs, blancs et oranges. Le vieux pont étroit où mon père autrefois emboutit sa Chevrolet est toujours là. Et l'eau qui a toujours la couleur de miel de mon enfance. Les berges de la rivière sont toujours envahies de joncs. Donc là, la rivière est la même. Elle est pareille. Il y avait ici déjà des vaches de Blomkis. Oui, il y avait des vaches de Blomkis, bien sûr, bien sûr. Des vaches de Blomkis. Et là, de l'autre côté. Il y avait des voisins qui avaient un cheval blanc. Et régulièrement, on allait attraper le cheval blanc pour monter dessus. Sans selle, sans rien, bien sûr. Tu sais faire du cheval ? Oui. Sans selle ? Oui. Bien sûr. Tout s'est joué ici. Les histoires que mes frères m'ont apprises. Ou lu. Les histoires de western, de cow-boy. Tout cela s'est joué ici. A été imaginé ici. Ici, dans la ferme de mon père, le journal m'apprend que notre toute nouvelle cour constitutionnelle vient d'abolir la peine capitale. Cette barbarie d'État qui avait tellement brutalisé notre histoire. Après qu'on a aboli finalement la peine capitale. Applaudissements et larmes, après qu'on a aboli finalement la peine capitale. Et c'est le 7 juin. Je suis heureux d'avoir pu montrer mon pays à Yolande. Regarde. C'est mon pays, n'est-ce pas? Quand on vit à l'étranger, les amis et la famille du temps de sa jeunesse deviennent des fantômes, des légendes. C'est clair, hein? Des mythes. On ne peut fuir son passé, même si on le veut. Et on ne peut pas non plus échapper à son avenir. La première dimension de l'homme, c'est qu'il est mortel et qu'il le sait. Le soleil qui se lève à la terrible incandescence de l'enfer, d'une flamme perpétuelle, de l'éternité. J'aime cette terre, ce pays avec ses habitants comme l'œil aime la lumière, comme la flûte aime le dernier morceau d'obscurité, avant l'aube, quand la brise du matin agite la cime des arbres. Parce que je crois en l'avenir de ce pays, parce que nous avons un avenir, parce que nous pouvons bâtir un monde meilleur ensemble. C'est le 25 novembre 1975 que je suis condamné.
Je ne reverrai pas les étoiles pendant de nombreuses années. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte. Elles ne me manquaient pas. Et soudain, cela devient très important, comme une douleur dans l'esprit qui s'irrite. En tant que prisonnier politique, vous devez passer environ 3 mois à sécurité maximum, à Pretoria. Cela signifiait évidemment ne jamais parler à un autre prisonnier. Cela impliquait aussi que les gardiens n'avaient pas le droit de parler avec moi. L'isolement m'a rendu malade de moi-même et des autres. Ma cellule n'avait pas plus d'1,80 m de large. Les bras tendus, je pouvais effleurer les murs de chaque côté. Pour me raser, il n'y avait pas de miroir, simplement une plaque de métal vissée dans le mur. On ne peut y voir qu'un vague reflet de soi. C'est comme regarder un souvenir de soi à travers une épaisse couche de verre. Vous vous regardez changer, vous vous abandonnez à certaines choses, devenir paranoïaque, fixer les murs, vivre avec une oreille tendue vers la porte et sursauter au moindre bruit, parler aux fourmis, avoir des hallucinations. Les premiers jours sont interminables. Vous ne pensez pas pouvoir passer le premier mois. La première année se dresse devant vous comme une montagne infranchissable. Et vous vous dites, si une année est aussi terrible que ça, comment vais-je pouvoir survivre aux 8 autres? Une fois par mois, j'étais autorisé à recevoir une lettre et à en envoyer une. Une fois par mois également, j'avais le droit de recevoir une visite d'une demi-heure. À n'importe quel moment, après 9h30, vous aviez le droit d'aller dans la petite cour pour une demi-heure d'exercice. Si vous avez de la chance, des rayons de soleil entrent dans la cour. Et ainsi, morceau par morceau, vous passez l'année et une autre. Et vous apprenez que les années, elles aussi, ont leur propre routine. Notre destination, Montagu, est la ville où vit mon frère, Clout. Montagu est une oasis dans la montagne. Je me souviens d'être venu ici lors d'une excursion avec mes parents quand j'étais encore tout petit. Clout est un défenseur de l'Inkatha, moi de l'ANC, et nous n'en parlons pas. Clout a passé quelque temps comme reporter et photographe dans les guerres de brousse en Angola et en Namibie. Mon autre frère, Bastian, a un problème. Il a le cœur trop grand. Il donne tout ce qu'il possède. Il porte des lunettes pour cacher ses yeux vulnérables. Mon petit frère. Dus hij wel alle plaats en woord op dezelfde. Dat is nou mijn opa, juffrouw, hij kan een wolf namaken. Juffrouw zei nou maar laat hij een wolf namaken. Zei Jannie zei opa, hij zei opa, ja, maak ze een wolf. Wat? Een wolf. Een wolf. Opa, maak ze een wolf man. Hij zei wat? Hij zei opa. Hoeveel kost het in de taxi om te rijden? Vanaf Johannesburg tot bij Jenfers. Ik zal zeggen, zeg om te gaan zo vreemd tonnen rond.
Le soir, tu es allongé, tu regardes l'ampoule très faible et très haute, près du plafond. La nuit passe comme un murmure. Tout est calme. Tout le monde est éveillé. Pas un bruit, sauf la voix solitaire qui chante. Tu te rappelles que cette semaine, il n'y en a qu'un à pendre. Quelle honte d'étouffer une si belle voix. Tu es réveillé dans l'obscurité, tu écris un poème. Dans le noir, je peux à peine distinguer le pâle contour d'une feuille de papier. Et je commence à écrire. Comme lancer un bateau noir sur une mer sombre. J'écris. Je suis l'écrivain. Je trace mes lettres noires. Yolande, je t'aime. Tu es si forte. C'est un mystère pour moi. Tu es si terriblement fragile. Et pourtant, tu te bats, tu es plus tenace qu'un tigre. Pendant toutes ces années, tu es venue, tu m'as soutenue. Tu m'as donné ta force et j'ai survécu. J'étais dans mon tombeau et tu m'as écrit. Un jour, nous serons libres. Nous marcherons sur une plage et nous entrerons dans l'eau. Tu auras le soleil dans les yeux. Un jour. Peut-être bientôt. Section C. C'est là qu'on gardait tous les prisonniers noirs condamnés à mourir. Parfois, je devais nettoyer le bout de ce couloir et j'allais droit à la porte fatale. Et de là, la porte s'ouvrait sur le lieu d'exécution lui-même. C'était une zone sombre. Certains croyaient qu'elle était hantée. Très souvent, non, tout le temps en réalité, je revis ces années d'horreur et de putréfaction et j'essaie d'imaginer à quoi cela doit ressembler d'être exécuté. Pendu par le passage du souffle et des mots, des menottes, de la cagoule, de la corde, de la trappe, et la terre qui s'enfuit pour toujours. Nous étions en 1976. C'était, évidemment, je ne pouvais pas le savoir en prison, l'époque de Soweto. Mais je sentais bien qu'il se passait quelque chose à l'extérieur, que le désordre était dehors. Il se passait des choses étranges la nuit. Des sirènes retentissaient. Les équipes étaient doublées. Je croyais sentir des fumées âcres dans la nuit. J'avais la tête pleine d'images d'incendie. J'entendais des voix qui hurlaient dans la désolation du Veld. Mes poèmes furent remplis de crainte, de destruction et d'amertume. Un chant de mort.
Un jour, ils m'ont dit de ramasser mes affaires et, sans connaître ma destination, on m'a mis, menottes au poignet, dans une voiture de prisonnier. C'était le 10 juillet 77. J'avais passé près de 2 ans à sécurité maximum et je m'en allais dans un ailleurs bleu, sans savoir où, mais n'importe où serait mieux qu'ici. Parmi ceux qui étaient à sécurité maximum quand j'y étais arrivé, il y en avait peu qui étaient encore vivants. Je n'étais pas fâché de voir Pretoria pour la dernière fois. En fait, j'ai juré à ce moment-là que je ne remettrais plus jamais le pied librement à Pretoria. Que ce village bouffi de fonctionnaires et de barbares disparaisse de la surface de la Terre. Quand la libération viendra, enfin, quelle libération ! Il faudra conserver cette ville intacte pour que les enfants viennent la visiter, afin qu'ils connaissent les codes du mal absolu. La campagne était brune et grise. C'était un rêve de rouler sur une grande route et de voir par les fentes étroites de la fenêtre arrière de la voiture le soir qui tombait lentement sur le veld. Le lendemain matin, la lumière nous a pris quelque part dans le Karoo, l'immensité du paysage tout autour. Sa beauté. Nous descendions vers le sud. J'allais voir les montagnes et je voyais le Karoo qui se déroulait. Je chantais tout ce qui me passait par la tête. Toute la saleté de Pretoria sortait de moi. Je chantais les rochers, les collines, les buissons, les lézards et la lune. Je chantais pour ma Lady Wan, pour les esprits des ancêtres. Je chantais la hurissante beauté préhistorique du désert et la folie des conquérants et l'humiliation des opprimés. J'étais chez moi. Un chez moi où je ne serais jamais plus chez moi, auquel j'étais devenu étranger pour toujours. Mais je n'étais pas étranger à la terre que je reconnaissais encore, avec laquelle je me sentais en paix. Après avoir traversé les faubourgs du Cap, nous sommes arrivés dans un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Un immense complexe carcéral à l'abri des montagnes. J'étais heureux. Il ne faisait pas si froid ici, près de la mer. Polsmoor. Tel était le nom de l'endroit. Polsmoor. Le Cap. On me conduisit par de nombreux couloirs et de nombreuses grilles à la section des hommes blancs. J'étais frappé par les odeurs et le bourdonnement de nombreuses voix. Il était évident que la discipline était moins stricte ici. C'était sale. C'était le Cap. Puis j'arrivais dans ma nouvelle cellule qui était immense comparée à ce dont j'avais l'habitude. Il y avait une douche et un siège de cabinet, un lit, une petite table, une chaise. Il a commencé à faire sombre et j'ai eu l'impression qu'avec le crépuscule, je sentais par les fenêtres le faible parfum des magnolias.
Ici, de ma cellule, je pouvais sans doute, ai-je pensé, si je faisais très attention, sentir la mer. C'était le paradis. Tous les matins, immédiatement après le petit déjeuner, on venait me chercher pour aller au travail. On m'emmenait dans une guérite en verre construite au milieu d'un vaste entrepôt. Les gardiens pouvaient tout le temps m'avoir à l'œil. Aucun membre du personnel qui venait aux entrepôts n'avait le droit de me parler. C'est là que j'allais être employé pour le reste de mon séjour en prison. C'est là que j'allais passer toutes mes journées. Mon travail était celui d'un simple gratte-papier. Faire des inventaires, marquer sur des registres les articles que nous prenions en stock, faire livrer aux différentes sections ce dont elles avaient besoin, comme produits de nettoyage, nourriture, vêtements, etc. Nous avons continué notre route en direction de Wellington. Je rêve que je suis revenu dans le pays, dans la ville de ma jeunesse, de mon adolescence, dans la maison où j'ai vécu il y a si longtemps. Encore le nom. Mon père avait une pension de famille avec beaucoup de chambres à Wellington. Si peu de choses ont changé ici. Par chance, le bâtiment principal est toujours le même à l'extérieur. La maison des parents. Le seul endroit au monde où l'on ne soit pas un étranger. Ici, je ne mourrai jamais. Ici, c'est la maison de mon père. On a dû vivre ici, pour moi, à partir de l'âge de... probablement de 12 ans jusqu'à la fin de l'école, jusqu'à 17 ans. Peut-être 11-12 ans. Donc c'est ici que tu as appris la lecture, la littérature. Tout à fait. En fait, tout se passait, tout était déjà là. Ici, c'est donc la maison des parents. Là, c'est la bibliothèque. Et en face, c'est le poste de police avec une petite prison à côté. Et c'est tout le week-end, on pouvait entendre les gens crier, chanter dans les cellules. C'était pas bien, bien sérieux, c'était surtout des ivrognes qu'on enfermait pour le week-end. Nous vivions dans un univers de bruit qui devenait nos alliés. Les tristes oiseaux de nuit, le cri rauque des oies sauvages, le vent, les chiens et les bruits des hommes. Le tintement des clés, le cliquetis des chaînes de ceux qui passaient dans les couloirs, sous escorte. Et les plaintes, les murmures, les cris, les malédictions des prisonniers et des gardiens. Ce qui m'a particulièrement marqué et qui m'a formé, c'est la montagne, ma compagne, mon guide, mon point de référence. Yeah.
À Andrus, nous rendons visite à Yann Rabhi, l'homme qui m'a donné envie d'écrire. Et à sa femme, Yabri, la peintre. Oui, c'est celui qui m'a poussé, qui m'a créé en tant qu'écrivain. Qui m'a créé en tant qu'écrivain. Mais en fait, c'est ça, oui. C'est lui qui m'a créé en tant qu'écrivain. Tu as commencé comme peintre, non? Oui, ben, peut-être c'est une déviation. Mais... Et tu es tombé à Paris. Il y a une jolie. Yolande. Elle est belle comme toujours. Yann Rabhi. J'étais encore à l'université quand il rentrait déjà d'un long séjour à Paris. Il sentait bon. L'existentialisme, le surréalisme, la bohème, la rébellion, la justice prophétique. Et puis il vivait de son écriture. C'est Yann Rabhi qui m'a appris que d'être afrikaner, c'est d'être métisse. Et que l'afrikan, notre langue des labyrinthes, est le fil même de notre métamorphose. Un jour, ils m'ont autorisé à écrire. À condition que je ne ferai rien voir à aucun autre prisonnier, ni à aucun gardien. Et que je leur rendrai directement ce qui serait terminé. En retour, on m'assurerait que ce que j'écrirais serait conservé. C'était une situation bizarre que d'écrire en sachant que l'ennemi lit par-dessus votre épaule, alors que vous devez écrire en plongeant au plus profond de vous-même, parce que cela est nécessaire à votre survie. Écrire commence pour moi avec la résistance. Et tout d'abord, la résistance à la mort. Et puis, j'écris pour me souvenir. Pour ne pas oublier. En 1986, je suis allé à Pretoria avec Yolande pour recevoir un prix littéraire. La cérémonie avait lieu au Théâtre d'État. Nous avons fait la route depuis Johannesburg sous une pluie battante, mais aucune pluie ne pourra jamais laver les cellules et les cachots de Pretoria de leurs stigmates de mort sous la torture, ni laver les esprits et les mains de ses bourreaux. Il m'avait autorisé à revenir dans le pays avec mon épouse, non blanche, pour un séjour de quelques semaines, et j'avais dit des choses désagréables dans ce Théâtre national de Pretoria. Of dat ik zout in die wonden kom wrijf. Ik hoop niet dat ze veilig is, politie. Ik heb gedacht, laat me eenzijdig wees. Dat kan niet anders niet. Die tijd is min. In die staat, een anomalie en een anachronisme, zijn malheid, is doodsgevaarlijk. Dit betekent ontwrichting voor die buurstaten, massamoord voor die meerderheid, vernietiging voor hulle, voor julle, in wie se naam die staatsterreur gepleegd wordt. Want terwijl ons hier zit met ons perels en ons strikdassies, is daar buiten kinders, die geweten, die vrijheidsdrang van ons land, waar die boer en sy pandoer met klippe aandurf. Loop daar bloed in die achterbuurte. Haas mensen verkozen op vullers roepen. Moet niet maken dat apartheid net nog in bloed gesmoord kan worden.
Ik geloof een zaak kan uitgemaakt worden voor geduldige, maar revolutionaire optimisme. Die zwart en die bruinstrijders wijs klaar voor ons die voorbeeld. Daar komt het diepe denken, het brede bewustzijn, het fijne geweten, die ontplooiing van weerstandsethos. Die keuzes kan niet ontwijk worden. Die Afrikanen heeft een wonderlijke bijdrage om te leveren, oplaas tot voordeel van al die Zuid-Afrikaners. Maar die tijd is nu. Dank u. Je n'ai jamais vraiment appris à faire des réussites. Je parie avec moi-même. Si j'arrive à aller jusqu'au bout, ce sera un bon présage. Et je joue. Et je joue en essayant de réussir. Parfois, je continue à jouer bien après que la lumière s'est éteinte. Tu peux pas le mettre un sous l'autre. Tu peux pas le mettre en dessous. Non. Je bats les cartes et je tire n'importe laquelle. Les piques, malchance. Surtout l'as de pique. Il me fait penser à la mort. Il est perdu. T'as perdu? J'ai pas perdu, j'ai pas gagné, c'est tout. C'est pas pareil. Les cœurs sont très bien. Surtout le 9 de cœur. Cela veut dire que celle que j'aime pense à moi. Je bats à nouveau, je tire, et je me dis que le numéro de la carte va correspondre au nombre d'années qui me restent avant que je puisse être libéré. Ou je le traduis comme étant le nombre de jours avant d'avoir une lettre de ma bien-aimée. Que des petits. Chaque fois que Yolande venait me voir, ou pendant ses longues absences, quand elle était en Europe, quand mes parents sont venus, le temps s'arrêtait pour s'enfuir de nouveau avec une violence douloureuse. Vous les regardez derrière la vitre. Et vous voyez le chagrin retenu. Ces visites étaient tellement bouleversantes que j'ai compris pourquoi certains prisonniers refusent que ceux qu'ils aiment viennent à la prison. Pourquoi troubler les morts? Pourquoi venir et réveiller la peine? Et pourtant, sans ces visites, je n'aurais jamais pu survivre. Vous savez plus ou moins quand il doit y avoir une visite. Vous vivez pour elle. Elle entre, la couleur du soleil sur sa peau, et le souffle de la montagne et le vent dans ses yeux, et un sac que je connais, et une nouvelle robe et un ruban dans ses cheveux. Et dans 120 misérables petites secondes, les 45 minutes accordées sont finies. Terminées. Vous vous battez pour la dernière seconde. C'est fini. Un sourire qui bat des ailes comme un papillon à la recherche de la fleur du visage quitte la pièce. Les pas s'éloignent.
Au début du mois d'avril 1978, White Nerf, le directeur de la prison, est entré dans ma cellule une nuit pour me dire que ma mère était morte. Elle était venue me voir plusieurs fois depuis que j'étais à Portsmouth. L'année précédente, pour mon anniversaire, j'avais même été appelé dans le bureau de White Nerf où m'attendaient Yolande, ma mère et mon père. Pendant un bref instant, j'avais été autorisé à les prendre dans mes bras. En posant ses mains sur mes épaules, ma mère m'avait dit « Klong, je pense que je ne te toucherai plus jamais. » Et ses lèvres avaient tremblé. On me dit que ma famille avait demandé que je puisse assister à l'enterrement, mais que cela n'avait pas été accordé. Nous sommes allés au cimetière d'Hermanus. C'est là que ma mère repose, dans son tombeau. Les mains croisées, regardant d'un œil éternel la brume bleue. Ma mère est enterrée au pied d'une colline, sous une pierre de granit poli portant une inscription d'une gravité inattendue. Mikenate isfirhulekenuk, mon pardon ou ma pitié doit vous suffire. Que pouvais-je dire? Regarde, c'est moi, Unoi. Tu regrettes tellement de n'avoir pas pu venir te dire au revoir. Et la pensée que tu es morte d'une crise cardiaque à cause de la tristesse que je t'ai causée me ronge. Nous avons placé un petit bouquet de fleurs dans le vase et nous sommes allés nous promener dans une plantation de jeunes eucalyptus, afin que Yolante Mariposa puisse se sécher les yeux. Ma famille a été autorisée à venir me voir le lendemain. Mon père était totalement renfermé. Il me regardait avec une immense tristesse. À partir de là, mon père venait me voir chaque mois. Il s'asseyait et restait là, sans rien dire. Puis il est tombé malade. On a décidé qu'il irait vivre chez ma sœur Rachel, à Grahamstown. Il est venu me dire au revoir en tenant son chapeau dans ses mains, comme le font les vieilles personnes dans les grandes occasions. Le directeur a fait ouvrir la porte qui nous séparait. Et j'ai pu le prendre dans mes bras. Je n'ai presque jamais vu mon père pleurer. J'étais dans ma 8e année d'emprisonnement. Souvent, je me demandais que se passerait-il quand le jour de ma libération serait proche. Non pas après, non pas à partir de là, mais immédiatement avant. Puis est venu le 2 décembre 1982. Un soleil radieux dehors. On est venu me chercher pour aller au travail. Tout était normal,
le début de l'été au No Man's Land. La sirène de midi a sonné, reprise en écho par les chiens. Deux gardiens sont venus vers 1 heure. Ils m'ont conduit dans un des bureaux vides. De Fortier, le directeur de la prison, s'est alors tourné vers moi, a retiré sa casquette et m'a dit « À partir de maintenant, vous êtes libre, sans condition. » J'étais devant la fenêtre. Un nuage blanc poursuivait sa quête de silence, au-dessus de la montagne. J'ai regardé De Fortier et je lui ai demandé « Quelle heure est-il, s'il vous plaît ?» Il a répondu « Il est 1h15 ». Ensuite, les choses se sont accélérées, comme dans un vieux film. On m'a ramené dans ma cellule, on m'a donné mes manuscrits, on les a comptés, signés ici, puis je les ai serrés sous mon bras. J'ai regardé ma cellule dans laquelle je laissais presque tout mon bric-à-brac. Rien qui ait de l'importance. Tout ce qui comptait, c'était les manuscrits sous mon bras. On m'a emmené dans les bureaux de l'administration. On m'a donné un costume trop grand, couleur abricot, et des chaussures fournies par les entrepôts. Et on m'a emballé dans une voiture conduite par le professeur Caron. Caron m'a conduit à la maison où Yolande habitait chez des amis. Tout d'abord, nous nous sommes perdus. Quand le professeur a enfin trouvé la maison, il est allé voir s'il y avait quelqu'un d'autre avant de me laisser entrer. J'étais là, tout seul, dans la voiture. J'ai pensé sortir et courir vers la liberté, mais les forces de l'habitude m'ont retenu. J'ai quand même réussi à prendre l'initiative de descendre pour me dégourdir les jambes sur le trottoir. La porte dans le mur qui entourait la maison s'est ouverte et Yolande est sortie. Elle m'a vu, s'est arrêtée net et m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais là ?» Non, en fait, c'est bien qu'il est venu à la voiture, mais là, c'est moi. Pas beaucoup. Voilà. Non, toi, t'étais pas... Non, t'étais pas comme ça. Oui, alors, il est sorti comme ça. Puis lui, il avait les bras avancés comme ça. Et puis voilà. Je veux dire qu'il ne disait pas un mot non plus. Mais il était, je sentais qu'il était vraiment très, très fragile. Comme ça. Il a avancé un peu penché. Un peu penché, puis comme ça. C'est bien l'image. Après. Comment ? C'est ouais. Non, je me souviens pas du tout. J'étais tellement vue sans la barbe que je me souviens même pas que tu avais la barbe. Voilà, alors. Puis on a passé la première nuit ici, là, dans cette maison. Oui, oui, parce que c'était ma chambre, là. C'est toujours la même chambre. Et il y a une bonne qui vient très tôt le matin. Et comme sa libération n'était pas encore annoncée, elle n'est pas encore officielle, on n'a pas encore le droit d'en parler. Et il ne fallait pas qu'elle sache qu'il était là. Alors donc, le matin, très très tôt à l'aube, il fallait qu'il quitte la chambre et qu'il se cache dans la chambre, dans une autre chambre à côté. Quand elle est arrivée. Nous avons quitté le cap en voiture. J'étais assis là, comme une momie, et je regardais l'horrible beauté du paysage qui se précipitait vers nous. La route qui suit la côte sud-est traverse les montagnes qui entourent Fells Bay. Je me suis retourné pour regarder le cap qui fumait au loin. Je voyais tout pour la première fois. Je voyais tout pour la dernière fois.
Nous sommes arrivés à Grahamstown en fin d'après-midi. Nous avons trouvé la maison de ma sœur Rachel. Mon père était assis dans le salon, enveloppé dans une couverture blanche, et ses yeux, très vifs et très noirs, étaient tout à fait conscients. Sa main paralysée était cachée sous la couverture. Avec l'autre, la gauche, il m'a étreint. Il pleurait, sans pudeur. Il a essayé de me parler. Il a marmonné sur la peine et le bonheur. Il a dit « Clare, c'est fini maintenant, c'est du passé. » Ses yeux n'ont jamais quitté mon visage. Ses yeux sont là, à jamais. Je vis avec mon visage levé vers ses yeux. Il dira toujours « Mactag », ça veut dire « zut », mais aussi fort. Merveilleux homme, tant que je vivrai, il marchera sur cette terre. Dans la nuit, nous nous sommes raconté des histoires avec mon frère, Yann. Il s'est versé un verre, je me suis versé un verre, nous avons bu. Yann était général de brigade et à la tête de la célèbre unité anti-guérilla de l'Ancien Régime. Il a combattu sur tous les fronts de guerre. Nous comparons nos idées, nos expériences, nous contournons les problèmes pour ne pas avoir à discuter. Tu vivais chez Rachel, père. Dans une lettre, elle m'avait dit que tu vieillissais, que tu t'affaiblissais. Puis ce fut l'heure. L'heure d'aller te dire au revoir, père. Tu savais. Tes yeux se sont accrochés à mon visage. J'ai essayé de t'expliquer, de sourire et de rire. Je t'ai promis que je reviendrais bientôt. Nous allions retourner à la ferme, père. J'ai embrassé tes lèvres et je suis parti. Je me souviens du gris de tes larmes, de l'humidité de tes joues. Je ne t'avais jamais vu pleurer ainsi. Et puis c'est arrivé. Ma sœur a appelé un matin, très tôt à Paris, en décembre 1989. Tu étais mort, père. Rachel a appelé pour dire qu'il t'avait transporté à Port-Elisabeth pour l'incinération. Je suis descendu en avion depuis l'Europe, froide et blanche. Rachel portait un beau coffret de bois brun. Elle me l'a tendu. Maintenant, tu peux tenir père un petit peu, t'elle dit. Tes cendres. Je te tenais dans mes mains. Si léger. Comme un feu consumé. Nous sommes arrivés au cimetière et nous avons marché jusqu'à l'endroit où repose Unoy, notre mère, enterrée sous le vol des papillons et le gazouillement des oiseaux. Yann a dit, au moins maintenant, Ubas et Unoy sont à nouveau ensemble. Le vent blanc et les nuages s'enroulaient sur la montagne. Tu as été mon guide, Ubas, mon père, mon initiateur, mon éléphant. Quand j'étais tout petit, tu t'en souviens que nous marchions dans la nuit, tu me portais sur tes épaules. Tes épaules étaient un navire. Et je sentais la barbe rêche de tes joues dans mes paumes. Je pouvais lever le bras et cueillir les étoiles qui se balançaient. Le professeur Caron m'a raccompagné à Port-Elisabeth où je devais prendre l'avion pour Johannesburg. J'avais une dernière requête à formuler.
un dernier plongeon dans la mer. Nous nous sommes arrêtés sur une plage en dehors de la ville. J'ai descendu la pente en hurlant « Afrique, Afrique !»« Je t'appartiens. Tu m'appartiens. Africo. Africa. » Regardez, je cours dans les vagues. Regardez, c'est une vague verte avec de l'écume blanche. Il y en a une autre et une autre. Voyez comme les années n'ont pas d'importance. Voyez comme je suis insouciant. L'horizon n'existe plus quand je touche, quand je sens l'océan, comme je suis intégré au temps. Soudain, je me suis rendu compte que je nageais dans une partie d'océan réservée aux noirs. J'étais entouré d'enfants noirs qui sortaient des vagues et qui ne voyaient rien de mal à ce qu'un blanc soit dans l'eau avec eux. Elle était comment la mer ce matin? Elle était froide? Hein? Non? C'était trop dur. Hein? Oh, non, c'était magnifique. Tiens, les gens sont en train de labourer la terre. Tu vois les autres chats? Hein? Tu les as prévenus? Ouais, t'en fais pas. Qu'il y a des autres chats? Regarde, ils sont en train de travailler la terre. Oui. Ô immense et amer pays, terre de douleur et d'indignité, de mémoire et d'oubli, de désespoir et de joie. Nicosi, Siclel, Africa. Je ne cessais de dire à Yolande, voici mon pays. Regarde là-bas maintenant. Comme nous aimons l'Afrique. Dans l'obscurité, nous sommes tous des Africains. Nous sommes en Afrique. Et nous nous languissons de l'Afrique. Dans l'obscurité, nous écoutons les bruits de l'Afrique. À la radio, on parle de terroristes. Ces soi-disant terroristes qui arriveront au pouvoir dans quelques années et qu'alors on fêtera comme des hommes politiques. À Johannesburg, nous nous retrouvons chez Van Silslabert et Jane. C'est l'anniversaire de Yolande aujourd'hui. Quelques vieux copains fêtent l'occasion avec nous. L'écrivain John Miles, Greta Fox, la comédienne, Stella, son mari Joseph et Jane. La première fois que j'ai rencontré Van Silslabert, c'est quand il m'a rendu visite en prison. À l'époque, il était le leader de l'opposition au Parlement. Yolande avait sollicité son aide dans l'espoir de me faire libérer. Quand j'ai revu Slabert à Paris, il pensait démissionner de l'impasse qu'était le Parlement réservé aux Blancs. Il le fit. Nous sommes devenus amis, nous avons commencé à rêver ensemble.
J'ai passé la matinée à rédiger mes notes à côté de la piscine, à écouter aussi les notes des oiseaux. Oh, écrire sur le ciel et ne laisser nulle trace sauf des échos dans le sommeil de ceux qui rêvent. Yolande m'observe de loin. Nous sommes toujours en train de partir. Pour aller où? Un jour, il faudra que j'écrive un livre sur l'exil. Sur ce que ça représente de vivre tourné sur soi-même. Et que je fasse une description de l'engourdissement causé par l'éloignement de l'intime et du familier. On ne peut pas s'enfuir du passé. En fait, notre passé est ce qui continue. Yolande m'appelle depuis la porte. Elle me ramène à la lumière. Il est presque temps de retourner d'où je viens. Suis-je heureux en ce moment? Ça n'a pas d'importance. De toute façon, je suis finalement devenu superflu. Et puis, ce sera peut-être comme la mort. Je serai sans racines, de mauvaise humeur et même frustré. J'ai renoncé à mes chances de participer à la réconciliation nationale. Nous n'aurons pas la révolution. Puis ce fut le dimanche 5 décembre 1982, un merveilleux matin d'été. Stella, avec les journaux du dimanche, qui annonce ma libération. Ce doit donc être vrai. Peu de circulation sur la route de l'aéroport. Le décollage, haut dans le ciel, au-dessus de la terre. On m'offre encore du champagne. Discrètement. En bas, l'Afrique qui s'enfuit. Mon amour. Mon amour. L'Afrique qui s'en va. La main de Yolande dans la mienne. Puis elle s'endort. Nous devons arriver à Roissy-Charles-de-Gaulle à 21h40. Il pleuvra. C'est fini. C'est que l'air.